شيخ حاب نسقسيك، اسكو نقدروا فيما يخص المودل اوردر ريدكشن، اسكو بو جينيراليزي لي تكنيك دو مور دو كيرلوف في هذا في الفراكسيونيل. ثاني سؤال شيخ، ليميتاسيون تاع الفراكسيونيل واش هي ليميتيشنز؟ بارك الله فيك شيخ. Donc, model reduction, c'est mon domaine. That's what I do for a living. For the last 40 years, I have been doing model reduction. Je suis model reduction. Pour vous faciliter la tâche, model reduction, c'est la réduction des systèmes. Un commun système très très complexe, une équation différentielle de l'IFIHA 1000 dérivatives, comment on peut la remplacer par les modes dominants, la dynamique dominante du système, et la remplacer à un système plus simple. Donc, si vous avez une fonction transfert de 100 pôles, est-ce qu'on peut la remplacer par une fonction transfert de 10 pôles? Est-ce que vous avez, si vous avez une équation différentielle de 1000 ordres 1000, est-ce que je peux la remplacer par ordre 10? En général, on peut, parce que n'importe quel système physique, il y a ce qu'on appelle les modes dynamiques dominants. Vous avez un système physique. Et dans ce système physique, il y a des sous-phénomènes qui se comportent dans le temps, qui se comportent very slow, while sinusoidal, very fast. Mais parmi we will find that there is a dominant dynamic in every physical system. Vous avez tous vu, pour ceux qui ont pris un premier cours d'électromécanique, on modélise un moteur par un système de second ordre. Hein? Une dynamique, un ordre dynamique pour la mécanique, ou un ordre pour l'électrique. Si vous voyez le détail du moteur avec le coil, c'est un système de dimension infinie. Il y a le coil, il est régi by telegraph equation. C'est un système de dimension infinie. Parce qu'en général, il y a toujours des modes dominants dans un système physique et on peut remplacer donc 1000 modes par quelques modes. 10 modes par 2-3 modes. Hadith Moha, mode reduction. Ceux qui sont dans l'image processing, ça s'appelle image compression. On compresse l'image. Si c'est un domaine très important. Si c'était pas, si on n'avait pas aujourd'hui la méthode de compression très développée, called JPEG, que vous utilisez chaque jour sans peut-être le savoir. Si vous n'avez pas cette technique implémentée sur l'Internet comme méthode de compression, eh ben, on ne serait pas intéressé d'utiliser l'Internet. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas la compression de l'image ou la vidéo, comme dans le Doha, New York ou là, mais quelque part, elle va prendre plusieurs minutes, si ce n'est des heures. Mais chaque fois que vous faites download dans n'importe quel document, audio, vidéo, il y a le JPEG qui travaille. Le JPEG, c'est un système de compression qui, au lieu d'envoyer l'image, tu m'as demandé maintenant une image ou là une vidéo. Une vidéo, mais c'est pas vidéo, c'est pas l'image, c'est une représentation. Donc, l'image automatiquement sur l'Internet, le JPEG software existe sur l'Internet. Il la décompose en composantes principales, essentielles, où il va avec les paramètres. L'image n'est jamais envoyée. C'est des paramètres essentiels à l'image qui sont envoyés. Donc, au lieu d'envoyer une image médicale 1012 par 1012, hein, c'est 1 million de pixels. Il y a que 8 bits ou 16 bits, c'est mini mégabytes.
là, mais baisse les 1 million de pixels. Pas du tout. Il décompose avec l'image en élément principal, des paramètres. Oui, ben, il y a des paramètres. Coding, c'est coding. C'est coding en télécom, c'est coding en image. Oui, ben, il y a des paramètres. Il y a paramètres. Il y a des paramètres. Vous voulez voir l'image. Et donc, le decoding se fasse. Hein? La décompression se fasse. Ou dit que l'image. Mais ce n'est jamais l'image qui a été envoyée. Le cas de l'image a été envoyée, elle va prendre quelques minutes. Alors que vous la recevez en 10 secondes. Elle dit, thanks to image compression. Donc, image compression aujourd'hui, c'est des ratios de 1 à 25, 1 à 30. C'est-à-dire, l'image, au lieu de battre l'image, il va faire le 30e taha. Avec le 30e taha, vous pouvez la reconstruire. Avec le 100e taha, vous pouvez la reconstruire. Avec des méthodes qui s'appellent, avant, JPEG, c'était fondé sur Fourier Transform, Cosine Fourier Transform, pour vous, pour ceux qui sont en signal processing. Et en l'an 2000, la communauté internationale a démontré que les wavelets, tout le monde s'appelle les ondulettes en français, les ondulettes, wavelets en anglais, avec wavelets, on peut faire beaucoup plus de compression. Et donc, le JPEG s'est transformé en JPEG 2000. En l'an 2000, et c'est implémenté maintenant. Cool computer tawakum, fihom JPEG. Le comme fihom JPEG, vous ne pourrez jamais recevoir en quelques secondes une vidéo ou une audio. Donc, allez pour dire, c'est model reduction. Donc, model reduction pour fractional system, on l'a fait, bien sûr, puisque c'est mon domaine. C'est l'une des premières choses que j'ai fait. Kharishtunha, 3 PhD physics, ils sont des professeurs maintenant. On a fait model reduction. On fait les deux versions. Andek. Une fonction transfert, un système fractionnaire. Donc, la fonction transfert, c'est irrationnel. Mathalène, C sur S alpha plus A. Ça, c'est irrationnel. C'est dimension infinie. Donc, comment l'approximer par une dimension finie? Donc, on l'a fait en posant un problème d'optimisation et on résout les moindres carrés ou le chat. Mais on a fait aussi le contraire, la compression. On dit un système classique. J'ai développé un modèle dynamique, un circuit Bethelen, un circuit RLC. Un circuit RLC fait un miette capaciteur ou miette inducteur. L'équation différentielle, elle sera quoi? D'ordre de 200. 200. Miette capaciteur ou miette inducteur. Elle sera 200. Donc, quand tu as la fonction transfert, il y aura 200 pôles. Est-ce que je peux remplacer cette fonction transfert complexe de très haut trop haute complexité par 10 ou 5. Donc on a fait le travail inverse. Et donc on a approximé ces 200 pôles par quoi? C over S to the power alpha plus A. Par un terme fractionnaire. Donc c'est l'X. L'X de la model reduction, c'est à peu près, c'est Smith-Wanaya parameter reduction. C'est une innovation de Naha. On a publié beaucoup sur ça. Parameter reduction. J'ai 200 pôles, ils sont représentés par 200 coefficients. Je les replace كلهم par C over S to the power alpha plus A. C 1, alpha 2, A 3. 200 paramètres numérateurs ou 200 paramètres dénominateurs, 400 sont remplacés par 3. Ousmina, parameter reduction, on a publié beaucoup sur ça. La deuxième question. Ah, une limitation. Pour le moment, quel est le problème de fractionnaire? Ils sont en train de converger, ça me donne un problème. C'est la fabrication de l'élément fractionnaire. L'intégrateur fractionnaire, c'est 1 sur S to the power alpha. 1 sur S, c'est quoi? 1 sur S, c'est capaciteur. 1 sur S, avec un RC circuit, tu peux implémenter 1 sur S. Ça. Comment je peux implémenter 1 sur S to the power alpha? C'est pas évident. Donc, il y a des solutions électrochimiques, il y a des solutions électroniques, je suis avec des approximations, c'est au niveau du laboratoire. Ken wahda ismuha fractance kharjat, elle est commercialisée mais qui m'est globé bi houchouma. Moi j'ai ordonné dans mon laboratoire mais elle est presque au niveau expérimentation, mais les gens travaillent dessus. Donc c'est la réalisation. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps? On approxime le fractionnaire par un système de très haute dimension
qui va représenter le fractionnaire pour le moment. Mais plus tard, parce que bad, on développe des contrôleurs, ou les contrôleurs vont les implémenter for le process. Donc, l'ASM 1 sur S to the power alpha, you have to physically implement it. Ils sont en train de converger vers, of course, l'implémentation fait FPGA ou kada, moujoudine, kulha, mais ce n'est pas suffisant. On veut capacité fractionnaire, fractional capacitor, fractional inductor. Ils sont en train de converger très rapidement en 2017-2018. Première limitation. Deuxième limitation, c'est pas une limitation, mais c'est plus complexe. L'analyse de Hess est beaucoup plus complexe que classique. Donc il faut réfléchir, il faut ces systèmes de dimension infinie. Troisième problème, les conditions initiales, c'est pas clair, parce que c'est un nombre infini de conditions initiales. C'est pas clair comment ils affectent un système. Lorsqu'on a combiné le fractionnel avec le chaos, c'est pas clair du tout le rôle de initial condition avec le chaos. What else? Mais c'est encore ouvert, c'est ouvert. L'interprétation, c'est pas clair. C'est quoi la dérivée 1/2 de une position? On ne sait pas. C'est pas l'accélération, c'est pas la vitesse, c'est quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. On donne une interprétation géométrique. C'est la réflexion de ça sur ça. Des choses comme ça. Et c'est toujours ouvert, de temps en temps, que le Wahdi. Donc, c'est un champ ouvert de publication. Une autre question? Thank you very much, Mr. For this great presentation. I'd like to ask you about modeling nonlinear systems, because I saw you passed rapidly. Second question is it possible to find different values of alpha in one differential equation or in a state space? Thank you very much. Yes. Okay. Let's start with the second question. Can we find different alpha? So, as I said, if the different derivative in the different orders of a differential equation are alpha 1, alpha 2, alpha 3, and if this alpha have a common term, then you take that common term. Suppose the common term is 1/2. And then the other one will be 3/2, 5/2. Then you can put them in a differential equation, and then you'll be able to transform this into a differential equation, not in S, but S to the power 1/3. So then the theory becomes very simple. And these are called commensurate fractional systems. It becomes very simple because the tools of polynomial becomes almost applicable. But if you have a differential equation and you have to take derivative of one variable with respect to alpha 1, and you take also the derivative with respect to alpha 2, alpha 3, or alpha 1, alpha 2, alpha 3 are any random numbers, 1 square root of 2, 1 square root of 3, 1 pi. They are called non-commensurate system, and the theory is very difficult. If you do 100 PhD theses, it will not be yet. There are papers coming every week, but just incremental. The improvement is very incremental. They are very, very difficult. And your first question, nonlinear. All right. For nonlinear systems, as it is, there is a linear differential equation, nonlinear differential equation. Linear fractional system, nonlinear fractional system. It goes the same way. Again, linear theory is much easier than nonlinear theory, because with linear theory there is what we call superposition principle. With superposition principle, you can develop theories. In nonlinear systems, superposition principle does not work. In nonlinear system, you excite the nonlinear system with a small input, you get an answer. Excite it with a bigger input, you don't get a similar answer. You get anything else. Maybe the first answer was not oscillating, the second answer will oscillate, because
principle, superposition principle does not work. But for linear systems, if I apply an input, I get a certain output. If I apply five times the input, what do I get? Five times the output. That's linearity, that's superposition. In nonlinear system, this does not apply, so it's much more difficult. So you have to go to develop theories such as Lyapunov theory. But for fractional, everything goes through the same way. It's as difficult as nonlinear classical systems. You have nonlinear fractional systems. So there are research work in parallel going on, and it's much more involved. Yes. Other questions? Yes, please. Okay. So thanks, sir, for the course. So my question is, I'm working for my PhD for the electromagnetic compatibility and how to use crystal photonics on this. So the applications of crystal photonics on electromagnetic compatibility. So if you have any suggestions or according to your like various experience. So it's I'm working on crystal photonics and I want to do the application on the EMC electromagnetic compatibility. So do you have like any suggestions or ideas like to use this? Are you developing a model? No, it's only a contribution to yeah. Thank you. I am not working in this area. I can make you in contact. I have with me at Sharjah, a professor working on electromagnetism. And I can put you, if you write to me, I put you in contact with him. He's a professor in electromagnetism. He has a lot of publications on antenna applications, optoelectronics. I can put you in contact with him. He's a friend of mine. He's there in Sharjah. Yes? Other questions? Merci, Saha. Cher professeur, est-ce que maintenant, c'est-à-dire on passe d'une équation différentielle, on trouve la solution avec, dans le N, c'est-à-dire N appartenant à R, un entier. Est-ce que, sans passer par une équation différentielle fractionnelle, on peut faire le parallélisme? Est-ce que c'est possible? Mais bien, la solution, si vous voulez, la solution analytique, quand N appartenant à N, c'est-à-dire le nombre entier, pour trouver la solution fractionnelle. Est-ce que c'est possible? La هو العكس صحيح. If you are solving all those equations I showed with Mittag-Leffler, if you put alpha integer, هذيك magically Mittag-Leffler تولي exponential. بس صح العكس غير صحيح. العكس c'est pas évident. قلنا في الانتجرال integer factorial becomes a gamma function. But other things, I'm complex. So, Mittag-Leffler is very complex. But oh, you can recover all the classical theory from fractional. Well, actually, it's sad. Mittag-Leffler is so complex. It's a summation infinite. Donc, dans le computer, you have to truncate. Donc, you lose the exactness. It becomes approximation. So, it's difficult. So, you really have to use sometimes abstract theory to develop. But many techniques of finding solutions for differential equations apply. And it came out, Lyapunov theory applies to all kinds of things. Same thing. You have to like the Lyapunov stability method. Lyapunov stability applies to all kinds of systems. It applies to fractional systems, to partial differential equations, to ordinary differential equations, to linear, to nonlinear. El Mohem, you find the right Lyapunov function. If you have the right Lyapunov function, you can determine stability. Same thing. But هذه Lyapunov function may be more difficult to find in fractional than in other things. من هذه الناحية فقط. Yeah. Anybody has is developing his PhD thesis, but close to what we are discussing, and would like some suggestions. Nobody is in control modeling signal processing. If you have anything, don't be shy. Maybe we can give you a direction. If it's close enough to...
I actually work on quadrotor, c'est-à-dire quadrotor, unmanned aerial vehicles, control and trajectory planning. So if you have a suggestion in this area. Yeah, the quadrotor, it's a special case of unmanned aerial vehicles, drones. There is a lot of work. Yes, a lot of work going on in this area. Yes, the stability is not trivial. It's also a nonlinear problem. And the stability is not a problem. There are many issues. I have a group in Jeddah. I am actually now, I am a distinguished professor of electrical engineering in King Abdulaziz University in Jeddah. So I go there every year. I have PhD students there. And they are very good in these things. They developed UAV. They control remotely, and it got a very good price in Saudi Arabia. I remember the problem they had is robust stability, how to maintain robustly, and the storage, how to give enough storage of the battery so that it can sustain a long time in the plane. But stability of this aerospace things is always an issue because the problem is nonlinear. But you will find a lot of lot of good literature on this. It's dominated by nonlinear Lyapunov stability. If you can improve sometimes something in the modeling, then you can improve in the control and hopefully in the stability. Yeah. Yes. Still have 10, 15 minutes according to. Nobody has the courage to come and make a presentation. شيخ في النيميراتور دينيميناتور كيف نعرفهم باللي راهم كو برايم نيميراتور اند دينيميناتور how to yes I go look you have a transfer function you have a numerator polynomial or denominator polynomial how do we know that they don't have factors roots in common. There are many, many techniques. Techniques in terms of matrices, you form some matrices. There are techniques without finding the roots, of course, without finding the roots. So there are some techniques, well-known coprime factorization techniques that you can do and develop whether they are coprime. But the issue in control in practical life, this is a theoretical issue. In practical life, it almost never happened. In practical life, how the parameters tell polynomials are what? There are resistors, capacitors, inductors, gravity, concentration of a mixture in a chemical engineering experiment, isn't it? So all of these are never known exactly. As we said yesterday, resistor, Nangulu resistor equal 5 ohms. It's much more difficult than that. A resistor that is working in outside here, Wallah, Rub al Khali in Saudi Arabia, at 52 degrees, its value changes. R equal R0, e to the minus KT over T0, it changes. The same thing, concentration of a those of you who are in chemistry or like chemical engineering, concentration of a chemical mixture. You will never know it exactly, isn't it? And there are always some uncertainties. Let's go back to the resistor. You go and buy a resistor. I want 3 ohm resistor for my project. What will they give you? You go to the shop and buy three ohm resistor. What do they give you? They give you a resistor with colors, and it's 3 ohm plus or minus, isn't it? So it's never exact. So all those parameters in the transfer functions or in differential equations are never exact. And if they are never exact, there will never be pole zero cancellation. The roots will never be the same. You deviate a bit of one parameter, the roots change somewhere else. So it's a theoretical issue, but not in practice. Yeah. Yes?
واحد يجي يعمل لنا الديفنس تاعه. Don't be shy. Go and present. Follow. Bonjour tout le monde. À cette occasion de doctorale 2017, permettez-moi de vous présenter mon travail de recherche dans le thème intitulé « Contribution à l'usage du nanofluide pour le refroidissement des réacteurs nucléaires ». Ce travail est encadré par le professeur Baziz Mohamed Najib. En suivant le plan de l'exposé suivant, je donne quelques généralités sur le nanofluide. Ensuite, les travaux préconisés durant cette thèse, là je donne en général, je ne traite pas dans les détails, et je termine par une conclusion. Les nanofluides sont des suspensions de particules métalliques comme le cuivre, l'aluminium, l'argent, et d'oxyde métallique ou de non métallique comme le diamant, nanotube de carbone de l'ordre du nanomètre, d'obtention facile et de coût relativement bas. Et sont d'apparition récente, leur performance en tant que fluide d'utilisation due à la très grande conductivité thermique les caractérisant constitue une cible pour les applications, notamment en technique de refroidissement. En effet, les fluides de base, par exemple, souvent utilisés dans les applications de refroidissement ou de chauffage, ont de conductivité thermique très faible, qui limite parfois leur capacité de transfert de chaleur. L'idée est alors d'insérer au sein des liquides de base des nanoparticules de conductivité très élevée afin d'augmenter la conductivité thermique effective du mélange et ainsi d'améliorer ses performances thermiques. Les applications potentielles ont été examinées par les chercheurs. Certains ont vu une concrétisation avec des succès variables. L'examen de la littérature montre une entrée fructueuse et très discrète de cette récente technique dans le secteur de l'énergie nucléaire. Les propriétés thermophysiques des nanofluides, caractérisation, on a la fraction volumique qui est le rapport entre le volume des particules et le volume total. Sa valeur varie entre 0 et 1 et c'est un paramètre très important parce qu'il est introduit dans tous les propriétés des nanofluides comme la conductivité thermique, la viscosité, etc. Conductivité. Est-ce que concerne la conductivité, on a plusieurs modèles qui caractérisent, qui nous permettent sous certaines conditions d'estimer la conductivité thermique des suspensions, comme le modèle de Maxwell qui est satisfait pour les suspensions continues des nanoparticules sphériques dont la fraction volumique est relativement bas. Mais ce modèle ne tient pas compte ni de la taille, ni de la forme de particules, et ni des interactions interparticulaires. Ensuite, Hamilton et Kerosser ont élargi le modèle de Maxwell et l'ont rendu le calcul de la viscosité et de la conductivité thermique plus efficace, quelle que soit la forme de la particule. En introduisant le facteur géométrique appelé sphéricité. En ce qui concerne la viscosité dynamique, on a le modèle d'Einstein qui est basé sur l'énergie à une dépendance linéaire avec la viscosité. À partir de ce concept, Einstein il a déterminé une expression pour la viscosité des nanofluides et qui est satisfaite pour des nanoparticules sphériques et dont la fraction de volume est inférieure à 1%. Et ne tient pas compte des collisions interparticulières. Ensuite, Bergman a complété le modèle d'Einstein jusqu'à une fraction de volume de 4%. Est-ce que concerne la masse volumique et la chaleur spécifique du modèle de Packageau pour les nanofluides sont calculés à partir de la loi des mélanges. Et le modèle de Xeon et Rotzel est fondé sur l'hypothèse d'équilibre thermique entre
d'équilibre thermique entre le fluide de base et les nanoparticules. Et pour coefficient d'expansion volumétrique, de nombreux auteurs ont calculé ce paramètre par analogie à la masse volumique, c'est-à-dire la loi du mélange. Il existe encore plusieurs modèles. Dans cette présentation, j'ai cité quelques-unes. Les travaux préconditionnés. Durant cette thèse, on va examiner l'usage du nanofluide dans le refroidissement des réacteurs nucléaires et dans quelle mesure est-il possible de remplacer les fluides classiques par ces nouveaux. Comme vous savez, dans une centrale nucléaire, se compose principalement de quatre parties. On a le bâtiment continu, le réacteur dans lequel il y a lieu la fission, les salles des machines où produit l'électricité et le départ des lignes électriques qui évacuent et transportent l'électricité et des tours de refroidissement. C'est au niveau de ces tours qu'on va mener notre étude et essayer d'appliquer ou de remplacer les fluides classiques par les nanofluides pour le refroidissement. Après une recherche bibliographique exposant les directions empruntées par les chercheurs, on se propose d'exposer les nanofluides et leurs combinaisons potentielles en vue de faire apparaître les propriétés les plus avantageuses. Parmi celles que j'ai citées déjà, c'est-à-dire on va apparaître les propriétés qui nous permettent d'avoir une meilleure puissance de pompage un meilleur transfert de chaleur. Ensuite, effectuer une modélisation des processus de refroidissement par les nanofluides et par fluides classiques avec des bilans thermiques appropriés. Pour examiner le transfert de chaleur dans les nanofluides, on a plusieurs modèles. Il y a l'approche monophasée qui tient compte que la phase fluide et la phase solide sont dans un équilibre thermique et s'écoulent avec la même vitesse locale. Et on a l'approche déphasique qui prend compte de la phase solide et liquide et de la phase fluide dans le processus de transfert de chaleur. Mais nous, on va exploiter une approche, elle est récente, donc je ne vais pas la dévoiler maintenant, qui élimine les points faibles de ces deux approches. Ensuite, évaluer les effets des paramètres de fonctionnement les plus pertinents sur le refroidissement efficace et améliorer la similitude la plus étoffée possible. Et parmi les effets, on trouve la diffusion foraise, la thermophoraise, la diffusion brownienne, la gravité. Il y a un état de paramètres. Dans une dernière partie, une étude technico-économique, bien que se basant sur plusieurs variantes, sera conduite et proposée à la suite d'une optimisation conduisant à la formulation de la meilleure composition des nanofluides en termes de fluide de base, de type de nanoparticules ainsi que de la concentration. En conclusion, les chercheurs ont accordé beaucoup d'attention sur la conductivité thermique plutôt que les caractéristiques de transfert de chaleur global, notamment avec transfert de masse. Des améliorations d'échange thermique de l'ordre de plusieurs dixièmes de pourcent semblent possibles, notamment pour certaines applications. Néanmoins, compte tenu de l'augmentation de viscosité due aux nanoparticules, le bilan énergétique reste encore mitigé. Compte tenu des diverses méthodes de synthèse et de caractérisation, les résultats expérimentaux ne sont pas reproductibles entre les différents groupes de recherche travaillant sur le sujet. Cependant, le remplacement de l'eau par des nanofluides dans une tour de refroidissement doit être évalué en termes énergétiques via passage à une modélisation fine des phénomènes d'interaction entre les particules et le fluide de base qui doivent être pris en compte. Et merci pour votre attention.